Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Joost. Je suis flamand. Excusez-moi. Les fautes grammaticales, on s'en fout aujourd'hui. Le reste. Mais c'est vraiment la première fois que je vais. J'ai fait un peu caca dans le pantalon pour le moment. Et c'est déjà longtemps que j'ai pas fait ça. Non, je suis pas tellement. Je suis comédien et en plus je suis cuisinier. Mais ce qui est le plus important, je suis aussi un gastro-sexuel. Je veux essayer de vous montrer quelques petits trucs. C'est un peu blablabla et cuisine. C'est pas difficile, voilà. Est-ce qu'il y a des catholiques pratiquants ici? Bon, voilà. C'est bon. Essaye un peu d'oublier qu'on est, disons, inventé par un hippie avec des sandales qui marchent sur l'eau. On va oublier ça. Et on dit qu'on est une sorte de mammifère, quoi. C'est ça. J'ai pensé, c'est seulement nous qui sommes si curieux. Dans le temps, il y a longtemps que tous les gens pensent que la terre était plate. Dans ce temps-là, le plus intelligent de la village qui dit « Attention, parce que si tu pars avec un bateau, la terre est plate, il va tomber !» Toujours il y a quelqu'un qui dit « Moi, je vais quand même vérifier ça. » On va aller voir ça. Il n'y a aucune mammifère, une sorte de bête qui fait ça. Des poules. Est-ce que vous avez... Madame, c'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Cathy, bonjour. Est-ce que vous avez des poules? Qu'est-ce que vous avez des poules? Non. Ah, il faut acheter des poules. On est d'accord, on n'a pas le jardin qui va avec. Pardon? On n'a pas l'espace qui va avec. L'espace, tu n'as pas grand besoin. Tu achètes une poule, tu casses le cou et... Vol-au-vent à volonté, hein? Pas de problème. Je suis cuisinier, hein, Cathy? Pas sur le marché, allez, sur le marché, oui, mais pas sur un banc solaire, hein. Avec les plumes, voilà. Tu arrives à la maison et tu as un petit baraque pour les poules, hein. Voilà. Poulailler. Oui, tout à fait. Tu prends les poules et tu les foutes dans le... Pour les poules et... Tu les foutes dedans, pour deux jours, tu les enfermes là-dedans. C'est pas quand tu ouvres la porte après deux jours. C'est pas que la poule dit « Yeah, freedom !» Ça marche pas comme ça. Tu ouvres la porte, ça prend 5-10 minutes. Et là, tu as la poule qui fait... Et après 5 minutes, la poule dit... Elle est contente.